Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tomb Raider. On s'était arrêté à ce feu de camp, là-bas on avait été sauvé par notre pote Roth. On avait vu Grimm tomber avec ses assaillants. Donc on poursuit, donc c'est par là. Donc on y va, hein, sur ce pont. On approche du fameux temple où est Sam, normalement. Yes. Attention Lara, ce pont grouille de gardes. Super. Ah bon? Une idée? Ah oui, là, celui du dessus. Mais ça va pas être facile. C'est pas celui-là. Tu peux sûrement traverser par en dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Par en dessous. Ne t'en fais pas, je te couvrirai, compte sur moi. Allons-y, allons-y. Plus rien ne nous fait peur de toute façon. Ça c'est une caisse ça? Ah, je croyais que c'était une caisse de... de matériaux, mais pas du tout en fait. Donc là, le pont est au-dessus. Ok. Lara, je les ai dans mon viseur. On y va. Concentre-toi. On se rattrape. Oh, vache, ça se casse la gueule. Qu'est-ce qui se passe en bas? N'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on échoue, ça n'arrivera pas. La reine soleil. Yes, il l'a buté. On est grillé. J'ai bien cru t'avoir perdu. C'est pas bien? C'est pas passé là. Ils vont voir. Il est en train de les démonter. Vas-y maintenant. Stop, attends, je l'ai presque. Vas-y. Wesh, il déconne pas lui. Stop, attends, attends. Lara, la voie est libre. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Oui. On y va en rester. Ah, attention. Ce serait trop beau. Oh, vache. On a eu chaud. Ok, on se casse. On s'arrache. Tu peux courir, moi, y'a pas de soucis. Au moins, on est arrivé à l'île où il y a le monastère. T'es sûr de vouloir faire ça? Je vais les chercher, Ross. Ouais, je suis sûr. Je vais revenir. C'est promis. Encore des crânes partout, comme d'hab. Hein. On reste dans l'ambiance. J'ai pas mis de chronomètre. Hein. Je vais le mettre maintenant. Mais ça doit déjà faire un petit moment. C'est pas grave. Donc là, on a une phase un peu comme la. Comme au tout début du jeu. Encore des crânes. J'aime vraiment bien cette ambiance. Depuis le début du jeu, c'est vraiment pas mal. Tout est cohérent et... j'aime bien. Entrée de la grotte. Ok, là... y'a quoi?
ici, nous sommes les Solari, les enfants de la reine solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Himiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Ça, c'est pour flatter. On pète la gueule. On se fait bourrer la gueule, là. Dimitri, Nikolai, amenez-la-moi. Ah, il me pique toutes mes armes. J'aurais peut-être dû aller à la gauche. Pas venir là tout de suite. Il y avait peut-être un feu de camp, quelque chose. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Non, fais pas ça, malheureux. Parle-nous à travers aïe, aïe, aïe. Les flammes! Je suis désolée. Regarde-moi! Et bim! Le vent. Avec de la pluie, ça va tout éteindre. Alors. Elle est l'élu. Bientôt, mes frères, nous serons libres. Emmenez-la dans la salle du trône. Ils sont bien barrés quand même. Le combat est terminé, créature. Alors. Et bim. Dégage, toi. Rends-moi ça, c'est à moi. Salut. Ah, vache. Dans le sang et tout. Dégueulasse. Yeah. Elle fait flipper, là. On va descendre voir. C'est un peu une dingue, hein, quand même. Ils ont tué des gens hein, pour qu'il y ait autant de crânes. C'est un feu de camp que j'aperçois? Non. C'est les grottes géothermiques. Ouais. C'est pas trop beau. Ah, il y a des flèches. Une sorte de gaz naturel. Les gaz, on va faire péter ça. On risque d'ameuter tout le monde. Hein, mais... Ah, ça reprend après en fait. Ah, petit feu de camp. On crame ça. Alors les tocs, allez, N200 et tout. On examine ça, mais on s'en fout. Nous prenons les flèches et on va regarder un peu. On n'a rien du tout. On sauvegarde. Et puis on poursuit, hein. On va se les faire, hein, les petits allumés de la secte là. Avons-nous ici des grilles? J'aime pas trop. Ne résiste pas trop.
qu'il te tue rapidement. C'est qui ça? Il te tue rapidement? Ils les mettent dans une pièce et tous les autres ils butent. C'est quoi? C'est des genres de monstres? C'est dégueulasse. J'aime pas ça moi les monstres comme ça là. Je joue pas à The Forest, c'est pas pour être emmerdé dans Tomb Raider. Oui. Peut-être qu'il y en aura pour moi. Yes. Encore à manger. On fait sauter ça et on se casse de là-dedans parce qu'il y avait des mecs chelous quand même. Tu vas rien voir du tout. On ramasse. Il y a encore un gars en haut, hein, qu'on n'a pas vu. Fais gaffe, tu vas abîmer le panneau. C'est bon, t'étais en train de perdre. Oh non, ça recommence. Je m'en occupe. Non, non, pure infiltration. Quand elle garde son arc, ça veut dire qu'il reste quelqu'un. Alisha. Ça, on s'en fout. Lui, il reste du monde au-dessus. À mon avis. Ouais, ça je sais qu'on peut faire péter ça, mais est-ce la bonne solution? On va déjà aller voir là-bas ce qu'il y a. Catacombe, nouveau camp. Ah! Encore un peu de camp. Sauf qu'on a rien. On n'a rien du tout. Donc on sauvegarde. On sauvegarde et on poursuit. Ça c'est une caisse de... Mais voilà. Tout à l'heure ça n'en était pas une, mais là quand même. Plus de place pour les flèches. On examine ça. On dirait qu'il date du début du 18e siècle. Les éventails en soie noire étaient souvent utilisés lors des funérailles des membres de la noblesse. Ok, très bien. Je croyais qu'il fallait l'examiner, mais non, pas du tout. Pourquoi elle garde son arc? Elle me fait stresser, moi, des fois. On va ouvrir ça, on va faire péter la cage à côté, je pense. La caisse tombe. C'est cool. Et du coup on peut passer au-dessus, ok. Donc c'était bien ça qu'il fallait faire. Il en reste, hein, mais je sais pas où. Bah voilà. Ceux-là, ils nous embêteront plus.
et des B. Plus d'XP. On peut monter là, se prendre la flotte sur la gueule, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, on en est, ça va nous laver du sang qu'on avait sur nous. Tu es le soleil, tu es la lumière, tu es la tempête. Là, ça va être tendu. De la nuit. Nous sommes tes enfants et nous attendons. Là, ça va être tendu. Où tu nous éclaireras, où tu nous guideras. À moins que. Désormais, vous êtes des Solari, mes frères. Priez, chantez les louanges de la reine solaire. La chair. Comment que je fasse ça? Je les ai tous eus? Ce serait bon ça? Bah apparemment oui. Ils ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah la vache, ils craquent quand même hein, les mecs. Hein. Ça va toi? T'as pas l'air. Plus de place. Là, si on fait tourner ça, ça pète ça. Ok, donc faut mettre le feu à ça. On peut pas. Donc faut mettre le feu avec ça. Après. Ah, je peux pas. On peut pas le renvoyer. On va essayer de foutre le feu à ça alors. Parce que ça va être assez. Ah ouais, c'était assez. C'était juste pour le pousser en fait. Fallait pas y mettre le feu. Là on est en train de déborder de plus en plus. On peut se prendre sur la gueule. On se casse. Ça devait arriver à force de tout faire péter comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une caisse avec des gens. Ah bah c'est nos amis. On a une telle caractère. Hey, évite de les exciter. À l'aide! Avancez! Harry Potter avec Zipelo. Comme quoi, il y a une certaine continuité entre mes let's play. Comment t'es arrivé jusqu'ici? On m'a aidé. Grim. On m'a aidé. Oui. Rot. Grim, il est mort. Ah, il nous a aidé aussi. On n'est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il n'est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Showbiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Whitman, c'est l'archéologue, enfin le pas l'archéologue, le chercheur, avec ses lunettes. Était chelou depuis le début. Je vais trouver une solution. Allez. Je vais trouver une solution. Allez les gars, encore un coup. Ok. Attention. Moi je ramasse. Hein. Saute. Pas de raison. Ça sert à rien, Reyes. Attends. On peut pas. Saute.
Et il saute pour essayer de faire tomber ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut une intervention de ma part. On les a entendus parler d'un esprit du soleil. La reine solaire. L'ancienne souveraine du Yamatai. Bim. On est au Yamatai ? Oui. Alors c'est pas bon. On fait péter ça, ça libère ça. Ça va peut-être me permettre d'accéder d'accéder justement à leur hélico. T'en fais pas pour ça, Lara. Fais-nous seulement sortir de là. T'assures, ma belle. Hop, je suis sûr. Bon, maintenant on fait quoi? L'autre contrepoids, il est bloqué. Bim. A pété l'autre contrepoids. Oh vache, on a tout fait péter là. Merci Jonah, j'ai eu chaud. Accrochez-vous à quelque chose. Oh, on a perdu le plancher de la cage. Regarde en bas mon vieux, y a plus de plancher du tout. Faut qu'on sorte de ce truc. On se rattrape. Oh merde, ça craint. J'aime bien ces phases là. Lara, sois prudente. Allez. Ça sert à rien. Là-bas, il y a des caisses. Oh merde, on va tomber. Vite, Lara. Quoi que tu fasses, fais-le vite. Lara, bouge tes pieds. Qu'est-ce que je peux? Ah, l'autre, elle est gentille. Regardez, on voit. Ça a volé jusque là-bas, mais pas assez. Pas assez, ça suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Je ramasse des flèches. Ça bosse trop haut. Faut faire tomber les caisses là, mais je sais pas comment. En bas, y a plus rien de toute façon. Ah, ça y est. On a réussi à sortir en face, ok. Merci. Donc c'était bien ça. Putain de merde. On a eu chaud. Lara, échappez-vous de la grotte. Ouais, moi je suis coincé. Ok, alors allez-y. Je vais chercher ça avec Whitman. Mais je vais où? Ah, les caisses tombent, ok. On se rattrape toujours. Et on se casse. Parce que tout se casse la gueule, on a fait un trou énorme. On est sorti, mais tout est en train de s'effondrer. J'ai établi un point d'accéder au pont. De l'autre côté du pont, l'hélico ne devrait pas tarder. On se barre. Épisode un peu plus long que d'habitude, hein, parce que là je peux pas trop couper là maintenant. Dès que je peux, je le ferai, mais là je ne peux pas. Il y a de l'action, donc c'est toujours bien. Puis moi j'adore. Forteresse de Solari. Il y a des mecs dans ce truc là. Ah ouais, mais non. Pas besoin de les tuer apparemment. Bon, je ramasse. Hein. Rien à foutre. Ils se font buter, mais je les bute quand même. Je suis pas sûr de côté. Aïe 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 aïe. Je passe sur le côté. Vous êtes pincés, mec. Je peux rien faire pour vous. Moi aussi, je suis dans la merde. Et je me casse. Bah alors, fallait pas faire ça. Il va pas te sauver de sauter dans le vide. J'en ai buté un quand même au cas où. Ouais, c'est celui-là. C'est que ça. C'est Mathias.
Mathias. Whitman? Non. Personne ne part. Il était là, lui. Personne ne repart. En japonais avant que l'avion s'écrase. Ah non, Mathias, c'est le chef de la secte. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il? Quel bordel, hein. Où je les suis? Bim. J'en ai rien à foutre. On voit de la dynamique, les mecs. Ils sont pas chiés quand même. Moi je galère et tout. Au moins il m'indique où passer. Ça c'est bien. Je vais repasser en flèche normale. Est-ce bien nécessaire de prendre celle-ci? On ne sait pas. Mais on le fait. Ah bah lève-la. Lara, vous êtes vivante. Vous aussi? Enfin je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? Dès qu'ils ont cessé de me voir comme une menace, j'ai pu me déplacer plus librement. Vous étiez au courant pour les autres? Oui, 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 et Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est ça. Mais d'accord. Ce sont des merveilles anthropologiques, Lara. Ce sont des psychopathes, Docteur Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gars ici. Ouais, je le sens pas du tout. Vous me dites quand la voie est libre. Oui, bien sûr. Pour ça, t'es le meilleur. Vous me dites quand la voie est libre. C'est un piège. Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Samantha. C'est un grand honneur. Il parle à Sam. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivé. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais... je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? C'est lui, Mathias. Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Ah, il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Pas de souci. Salut Dimitri, ça va? Dieu merci, t'es là. Je crois que je deviens folle. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien. Trop de cheveux dans cette dans cette cinématique. Comment on va? Ah, c'est lui qui avait piqué mes armes. Il faut qu'on parte avant qu'il revienne. Whitman! Whitman! Où est-ce qu'il est passé? Il va nous mettre dedans, lui. Et voilà. Fuyez, Lara! Fuyez! Ok! Retourne dans la salle du trône! Et je suis coincé. Thank you.
galérer les mecs. C'est bon? Oh là, il est gros là. Échappez-vous de cet enfer. Moi, y a pas de souci, hein, j'attends que ça. Hein. C'est là-bas. C'est là-bas. Ils ont ouvert une porte. Ça, c'est un gardien, ça. Ça, ça craint. On se casse. Et ben voilà, je suis concentré dans ces phases là parce que c'est un peu le bordel. Non seulement on voit pas grand chose, mais en plus il y a masse ennemis. Il pleut donc ça va couper l'incendie normalement. Alors ça ne s'arrête jamais. Pour la reine, trouvez-la. La fille est à moi. Et bim! Fini, tu vois, cache-cache! Maintenant, je vais te tuer, petite fille! Oh merde! Ah, lance-grenade, ça c'est bon! Nouvelle arme? Nouvelle arme! Beaucoup d'action là quand même. Un épisode interminable. Et j'attends d'être au feu de camp pour pouvoir sauvegarder. Et re le téléphone sonné. Est-ce qu'on ramasse tout ça? Oui. Est-ce qu'on a un feu de camp? Non. Oh les vénères.
Et voilà. Et le feu de camp, donc on sauvegarde. Parce qu'on aura fait quand même une grosse partie du truc. On sauvegarde, on prend un petit point en castagnère, expert maîtrise équipement. Tu as accompli. Hop, plus de munitions. Parce qu'on a vu qu'on était un peu à court des fois. Des équipements. On peut améliorer quoi? L'arc, on peut pas. Ça, on peut. Ça, on peut. Ça, on peut pas. Ok, bah on va continuer sur celui-là ou celui-là. Non, je trouve que non, on va continuer avec ça. Ça, c'est quoi? Améliorer la stabilité. Hop. Et voilà. Et donc, moi, je vous dis à bientôt, hein, parce que ce fut un épisode assez intense et assez long en termes de temps. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider. Allez, ciao !